Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la cuisine. Donc je vais vous mettre un petit peu les petits passages que j'avais filmés quand je suis allée faire les cuisinistes, les plans, etc. Donc là on va venir chercher les meubles. Bon, du coup là on est en train de choisir plan de travail, façade. Et vraiment le choix est compliqué. Comme je vous ai dit, j'ai fait appel à une décoratrice d'intérieur. Du coup, elle m'a fait le plan en fait 3D de ce que j'aimerais, ce à quoi ça ressemblerait. Et donc ensuite, j'ai fait plusieurs cuisinistes. Malheureusement, je vous ai pas filmé chez tous les cuisinistes, mais vraiment, je suis partie chez beaucoup. J'en ai fait au moins 5. Juste pour avoir des devis, pour voir si le plan pourrait correspondre, ce que l'un proposerait en plus comme option, etc. C'est totalement gratuit, vous pouvez aller chez tous les cuisinistes. Là, je vous montre un petit peu ce à quoi j'aimerais que ça corresponde à ce moment-là. C'est le plan que la décoratrice m'a fait. Donc voilà, ensuite je me suis installée avec la personne qui s'occupe des conceptions de cuisine pour qu'elle me fasse le plan et je vais vous montrer juste après ce que ça a donné au niveau du plan. Franchement, ça me correspondait totalement, mais nous n'avons pas pris la cuisine chez eux parce que vraiment c'était hors budget pour nous, en sachant qu'elle nous avait fait un devis sur du moyenne gamme et sur du haut de gamme. Donc vous pouvez choisir plusieurs types de façades selon ce que vous avez envie. Nous on avait fait ça chez eux pour avoir des tiroirs de plinthe, sauf qu'au final elle a pas pu nous en proposer, que ce soit sur les moyennes gammes ou les hautes gammes. Mais c'est pas grave, j'ai quand même pu avoir le plan exact de ce que je voulais et ça ressemble à ça. Ensuite il était l'heure de manger, donc on est allé vite fait dans un snack, on a mangé et ensuite en discutant on s'est arrêté sur le choix de la cuisine. Comme je vous ai dit, on avait fait plusieurs cuisinistes pendant plusieurs mois, le dernier rendez-vous c'était celui-ci et ensuite on est allé direction pour la cuisine. Donc là on va aller chercher une partie parce que nous on a fait, on a voulu faire au plus économique on va dire. Donc il y a une partie qui vient de chez Ikea, une partie qui vient de chez Brico Dépôt et une partie qui vient d'AliExpress. Mais de toute façon, je vous montrerai tout ça. Ah voilà, je vais le mettre. Bon, du coup, c'est bon, on a regardé avec le vendeur ce qu'on voulait. Il m'a sorti la liste. Attendez, je regarde s'il n'y a pas mon nom. Non. Il m'a sorti la liste d'achat, il y a 3 pages. Et là, ils sont partis chercher la colonne de four. Parce que j'ai rajouté en fait des casseroliers dans la colonne de four. À l'instant. Des fois vous savez sur le coup bref et bon après c'est vrai que c'est limité en choix de façade on va dire, vous savez, vitrée etc, vous n'avez pas trop le choix. Mais par contre moi ce que j'ai misé c'est sur l'organisation, les casseroliers, les tiroirs intégrés, les angles de coin et tout, parce que c'est super cher chez les cuisinistes. Ici c'est pas très cher, genre un exemple, juste un tiroir épicerie de 15 cm, ici, je sais plus trop c'est combien le prix, mais bref, on m'avait dit le triple dans un autre cuisiniste, donc franchement, ici ça va. Ici, on a récupéré tout le haut de la cuisine. Bon, là, on est en train de charger le deuxième, on a fait le haut, là, on est en train de faire le bas de la cuisine. Bon, voilà, donc on a tous les éléments de la cuisine, tout ce qui est en haut, c'est par là, on a essayé de mettre par catégorie, tout ce qui est en bas, c'est par là. Le mitigeur également. Et donc là, il ne nous manquera plus que l'évier que je vais aller chercher chez Ikea. Et ainsi que le plan de travail et la crédence. Donc franchement, je suis trop contente. Enfin, ça commence à prendre forme. Les amis, oui, magnifique décor, ce n'est pas chez moi. Je vous reprends depuis Ikea. Je viens de récupérer mon appareil photo chez la Fnac. Je suis super contente. Là, je dois venir chercher l'évier.
J'ai mis les enfants juste derrière là, dans le petit espace de jeu, je vais vous montrer juste après. Pour aller vite fait voir ça, là je vais aller faire un petit tour au coin des bonnes affaires. Je vais vous montrer tout ça et ensuite je monterai en haut. Après, j'aime bien faire le coin des bonnes trouvailles avant, parce que je sais qu'il y a toujours des trucs trop bien chez nous. Faut juste le portefeuille qui va avec. Voilà, donc let's go, c'est parti pour un petit tour chez Ikea. Trouver ce qui nous manque pour la cuisine. J'ai mis les enfants dans le petit parc là, l'espace de jeu. Là vous voyez ma fille qui est en train de courir. Elle est trop contente. On se retrouve au coin des bonnes affaires, ils appellent ça espace de seconde vie ou un truc comme ça, je sais plus trop, mais avant c'était coin des bonnes affaires, après quoi des bonnes trouvailles, et maintenant c'est espace où je donne une seconde vie. Bon bref, vous avez compris le principe. J'ai trouvé ce buffet que je vous ai montré juste avant, il était tellement magnifique, mais j'ai pas envie de m'éparpiller, je suis là pour la cuisine, donc je me suis dit que j'allais vraiment prendre ce qu'il me fallait pour la cuisine, parce que... À chaque fois, je m'éparpille. Alors déjà, ça me fait user plus d'argent que ce que j'étais venue en dépenser. Et en plus, le budget que j'avais alloué à une pièce, à ce moment-là, je le mets sur d'autres choses et au final, je finis pas les pièces en cours. Bref, vous m'avez comprise. Mais en tout cas, il y a vraiment des pépites. Regardez-moi cette colonne-là avec petite poubelle intégrée. Il me semble qu'elle était à 100 euros, je pense, si je dis pas de bêtises, ou 119. Franchement, elle est nickel. Et d'ailleurs, même celle qui est à côté, un petit peu effet bois, bah même pas. Même pas 119, elle était à 99. Vous aviez également deux petites colonnes en bois à 99 euros. Il y avait ce buffet. Franchement, je le voulais trop, ce buffet. Je voulais trop le prendre. Mais c'est vrai qu'il y avait un gros défaut sur le côté. Il était un petit peu cassé. Pareil pour ce Kallax, je voulais trop le prendre, je me suis dit pour ranger dans la salle de jeu. Mais voilà, comme je vous ai dit, je voulais pas m'éparpiller et surtout, j'étais en voiture donc j'avais rien pour transporter tout ça. Vous aviez un lit avec des tiroirs en bas, juste devant, vous voyez quoi, il y avait vraiment pas mal de choses, des canapés et il y avait même des choses pour la cuisine d'ailleurs. Et franchement, il y a trop de bonnes affaires, vraiment. Notamment cette table-là. Pour moi, ça serait plutôt un... Ça aurait été plutôt un bureau, mais bon, il est trop large. Mais vraiment, il y a pas mal de choses, je vais vous montrer. Ensuite, il était déjà l'heure du repas, du dîner. Du coup, j'ai décidé de vous garder avec moi. J'ai fait quelque chose vraiment d'hyper simple. Des escalopes de poulet. J'avais déjà mis des oignons à rissoler et des poivrons tricolores. Et ensuite, j'ai mis des escalopes de poulet coupées en dés. Un petit peu de sauce, on va dire, j'ai mélangé, en fait, si vous voulez, un bouillon de légumes avec de l'eau. Donc, un petit bouillon. Et ensuite, j'ai mis des épices, paprika, gingembre, sel, poivre. Et curcuma. J'ai laissé mijoter le tout pour faire dorer et ensuite je suis venue rajouter le petit bouillon que je vous ai dit et à la fin j'ai ajouté du riz pour faire un repas complet. J'ai failli oublier, j'ai aussi ajouté un petit peu de sauce tomate cuisinée une fois que le poulet avait doré. Et voilà ce que ça donne, franchement c'était hyper bon, bien gourmand, bien goûtu et bien chaud. D'ailleurs j'ai fait la recette dans l'appareil que je vous avais déjà présenté, le chiffri, et franchement il est super bien parce que la cuve est hyper grande. Du coup j'ai décidé de vous montrer la cuisine comme elle était au moment où on vivait dedans avant qu'elle ne soit transformée. Sachez qu'on a rencontré énormément de difficultés, d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous savez tout ce qui s'est passé comme catastrophe. Parce que je vous ai tout partagé, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment où on en est. Donc, tous les meubles bas sont montés, on va dire. C'est pas vraiment la configuration que je voulais, mais on n'a pas trop le choix parce que on a rencontré trop de difficultés par rapport à mon frigo. Mon frigo, il est énorme. Et dans une petite cuisine comme ça passe pas trop.
Mais comme on peut pas le changer maintenant, du coup on a essayé de faire en fonction. Donc là on l'a retourné. Bon, ça laisse un petit espace ici, mais j'ai envie de dire en soi, voilà, le frigo on peut ouvrir, on peut ouvrir aussi pour le four. Donc voilà, et c'est pareil ici. Normalement l'évier il devait arriver à cette place-là pour avoir un max de plan de travail, et le lave-vaisselle ici. Sauf que derrière, il y a des tuyaux qui ressortent énormément. Et comme on ne peut pas faire des trous dans le lave-vaisselle derrière, on doit mettre l'évier ici pour pouvoir faire des trous derrière pour que ça se renfonce jusqu'au bout. Parce que du coup, là, vous voyez, il y a un écart. Enfin bref, il y a un écart là. Donc voilà, ça avance petit à petit. Mais au moins, ça me laissera toute cette place-là de dégager. Parce que de base, on devait mettre le four ici. Mais après, je me disais que ça allait être trop encombré ici à l'entrée, à ce niveau-ci. Et donc, que ça allait aussi gâcher la luminosité, etc. Bref. Donc pour l'instant, voilà les avancées. On continuera demain. Bon, du coup, mon mari est rentré du boulot. On a remodifié un petit peu le plan. Bon, faites pas attention à ça. Leur cache-misère là qu'ils ont mis, à peine on avait enlevé le l'évier, que le placo il est venu avec. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne se verra pas. Donc, on a fait des petites modifications. Franchement, ça me plaisait pas du tout, la colonne four ici, le frigo en face et tout, ça n'allait pas du tout. Donc on a re-retourné le frigo comme ça. Ici, il reste la place de mettre un, comment ça s'appelle, un meuble. Je pense que c'est ce qu'on fera. Ici, il y a l'évier. Après, sa place, elle est à 15 cm près, pas définitive. La vaisselle en face à face avec la porte, je me dis comment ça gênera pas pour l'ouvrir. Même de toute façon, on a essayé même à côté, ça gêne pas pour l'ouvrir. Donc là, il y a un grand écart, hein. Vous voyez que c'est bien ravancé, mais c'est parce que derrière, on doit faire la plomberie. Donc voilà, ça va être renfoncé au mur, évidemment. Voilà, et donc là, je viens juste à l'instant de faire une petite modif. C'est pour ça que je vous dis pour l'évier, c'est pas définitif. Là, on doit avoir un meuble en 15 de. C'est pour les épiceries, moi, ça sera pas pour les épices. Ça sera surtout pour les bouteilles d'huile, etc. Soit on le met là, ce qui aurait été l'idéal, parce que ça sera à côté de la plaque de cuisson. Mais ça décale tout. Ça décale tout de 15 cm. Donc ce qui fait que l'évier, il est en face à face avec le frigo. Après le frigo, je vous dis honnêtement, je suis à 2 doigts de le mettre dans un autre endroit. Soit dans la pièce qui est à côté, soit dans le garage, mais bon. Ou à voir, peut-être qu'on le changera avec le temps. Il est trop trop gros pour, vous voyez, pour une cuisine comme ça, il prend limite 2 meubles. Donc là, on a mis la colonne four, et soit l'épicier de 15, il ira là, le tiroir coulissant là, ou soit, comme il m'a dit le poseur de cuisine, il ira là. Bon, après, en soi, ça me dérange pas, hein, la plaque de cuisson, elle est là. Si l'épicier, il est là, c'est pareil, hein, franchement. Là, bon, voilà, ça aurait été plus judicieux et plus logique. Mais après, je me dis que ça va trop trop décaler l'évier. Après, en soi, ça me dérange pas que l'évier soit au bout parce que ça reste quand même pratique, hein. Donc voilà. Pour l'instant, où on en est, ils vont venir demain pour commencer les meubles du haut et aussi aller chercher le plan de travail et la crédence, parce qu'il n'y aura plus ça, hein, évidemment. Et aussi faire les découpes dans les meubles derrière pour parce qu'il y a des tuyaux derrière. C'est pour ça que là, pour l'instant, c'est ravancé au max. À partir de là, la cuisine n'a quasiment plus avancé pendant 2 semaines. Et on est allé de surprise en surprise. D'ailleurs, on a même dû changer le poseur de cuisine. Donc je vous montrerai la suite au prochain je vous montrerai la suite au fur et à mesure en fait. Voilà les amis, c'est ici que se finit cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!